Machiavellian is Illuminati all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je sais, il est tard, mais là, on vient d'assister à un viol entre madrilènes, frère. Vous allez me dire, ouais, c'est un match amical, calme-toi, arrête de nous prendre pour des chèvres et tout ça, c'est rien du tout, c'est des matchs de préparation. Ouais, d'accord, moi, je veux bien que c'est des matchs de préparation, mais là, frérot, Real Madrid, Atlético Madrid, qui vient de se terminer 7-3 pour l'Atlético Madrid. 7-3 pour l'Atlético Madrid, et encore. Deux buts du Real à la fin, mais anecdotique, quoi, parce que vraiment, c'était la fin du match. Et putain, les 70 premières minutes, mais l'Atlético Madrid, je sais pas, il leur a marché dessus, ils les ont assassinés. Le Real, il était en dessous de tout, frère. Et pourtant, c'était pas l'équipe B, hein. On va vous mettre les compositions d'équipe, quand même, pour que vous sachiez. Donc, Thibaut Courtois dans les buts, à gauche, Marcelo, dans l'axe, Ramos, Nacho, voilà. Odriozola à droite, Modric, Toni Kroos, Isco, Vinicius, Jovic, Hazard. On va pas me dire quand même que c'est l'équipe B, frère, hein. On n'est pas loin de l'équipe type, là, quand même, hein. Et du côté de l'Atlético Madrid, hein, 4-4-2, au black. Dans l'axe, Hermoso, Savic, Trippier, la nouvelle recrue, Renan Lodi. Au milieu, Saúl, Koke, João Félix, Thomas Lemar. Et devant, Alvaro Morata, Diego Costa. Donc c'était vraiment un match du lourd, quoi. C'était comme un match de Ligue des Champions, hein, les poteaux. Et là, ça a commencé en boucherie, avec Diego Costa qui marque à la première minute. Après, João Félix, la pépite à 126 millions qui a été achetée à Benfica. Franchement, ce joueur-là, je le sens bien, les poteaux. Hein. Donc, j'avais émis quelques réserves. Après, il faut se calmer. C'est qu'un match amical, mais quand même, hein, quand même, là, sur ce match-là, surtout les 60 premières minutes, regardez le résumé du match. Le Real Madrid était au fond du trou, au fond du seau, au fond des toilettes. Il n'y avait plus qu'à tirer la chasse d'eau pour les finir. Un viol en réunion, frère. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et là, on sait que l'Atlético Madrid, ils sont coupables, hein. L'Atlético Madrid a violé le Real Madrid. Bon, après, c'est un match amical, c'est pas un match championnat ou de Ligue des Champions. Hein. Donc voilà, on arrive à 2-0, 0 tir au bout d'une demi-heure pour le Real Madrid. Hein, 0 tir et plus rien. Zéro tir, hein, rien du tout. Voilà. Et on arrive après avec Correa à 19e minute, hein, pour le 3-0. Donc Diego Costa a mis 4 buts. Diego Costa, 4 buts. Donc il est toujours en forme, hein, toujours en forme. Malgré qu'ils soient un peu fous, toujours en forme. Avec des buts aussi de Vitolo et Correa. Puis du côté du Real, voilà, on est revenu avec Nacho à la 59e. Un but de Benzema à la 85e et de Xavi à la 89e. Carvajal a été exclu, mais même ça n'aurait rien changé. Il a été exclu à la 65e minute. Et l'Atlético Madrid, d'habitude, qui a un jeu, on sait très bien, défensif. Et Courtois sur les buts qu'il prend, sur les premiers buts qu'il prend, le mec, je sais pas, il croit que le foot, c'est de la natation, il croit que c'est du ski, frérot. Courtois, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Ah, franchement, je préfère Navas que Courtois. Keylor Navas, oh Leonardo, réveille-toi, frère, réveille-toi, t'as Keylor Navas à 20 millions d'euros, réveille-toi. Tu vas garder Areola alors que t'as Keylor Navas sur le banc. Incroyable. Donc, apparemment, le Real veut vendre 7 joueurs. Attention, hein, là, ils ont dit qu'ils voulaient Neymar ou pas Neymar, Mbappé ou pas Mbappé. Là, je pense qu'il faut une défense et un gardien, plutôt. Parce que là, ce soir, c'était un tsunami, tu sais. C'était un tsunami, c'était un crash d'avion, c'était un viol, c'était un meurtre. C'était... là, franchement, heureusement que c'était un match amical. Là, on va me dire, ouais, Sacha, t'en fais trop. Tu crois que c'est une finale de Ligue des Champions ou quoi? Ouais, non, mais je veux bien, frérot, mais attends, même en match amical, t'en prends 7-3, le match, il était télévisé, frère. À New York, le match, le stade, il était plein. Il y avait 60 000 personnes, frère. T'en as quand même pris 7. T'es le Real Madrid. T'as mis l'équipe type. T'as Zinedine Zidane comme entraîneur. T'en prends 7 contre l'une des équipes les plus défensives d'Europe. Même si c'est en match amical, c'est quand même l'International Champions Club. Et t'en prends 7, t'es le Real Madrid. C'est pas une très belle promotion, hein, même si le Real Madrid a quand même 13 Ligues des Champions. Je sais pas combien de championnats d'Espagne et de Coupe d'Espagne et de je sais pas quoi. Mais d'en prendre 7 comme ça, à 3 semaines du championnat, frérot, moi on m'a dit que Zidane, l'entraîneur, c'était un phénomène. Comme entraîneur, c'était un phénomène, pas de problème. Comme joueur, c'était un phénomène, pas de problème. Mais attention, il y avait Cristiano Ronaldo quand il a gagné les 3 Ligues des Champions. Quand Cristiano Ronaldo est parti à la Juve, le Real a été éliminé en 8e de finale. Donc on va voir Zidane cette année, c'est vraiment un grand entraîneur. Sans Cristiano Ronaldo, sans le meneur, sans l'idole, voilà. Eden Hazard, on l'attend comme le Messi au Real Madrid. Jovic aussi.
Mais surtout Hazard, qui a été acheté 110 millions d'euros. Et il faut pas oublier que Hazard est en surpoids. Il est arrivé avec 8 ou 9 kilos en trop. Et je peux te dire que sur le match, il les a pas perdus, hein. On aurait dit que le mec, il traînait un tracteur derrière lui, frère. Hazard, il avançait pas, les poteaux. Il avançait pas. Donc voilà, les poteaux, pour ce match amical. On va regarder un petit peu les statistiques du match, quand même, avant de vous laisser. Donc, c'est sûr qu'au niveau des tirs, en plus, c'était impressionnant, hein. Le Real n'a pas tiré une seule fois au but. Je sais pas, ils ont dû tirer la première fois au but, si je me rappelle bien, dans le match, à la 36e ou 37e minute, hein. Bon, après, la deuxième mi-temps était un peu plus équilibrée, mais bon. Le carton rouge, en plus, leur a fait très mal. Mais bon, même sans le carton rouge, hein, je vous ai dit, il y avait déjà 5-0 pour l'Atlético Madrid, donc c'est pas une excuse. Donc, on a 23 tirs du côté de l'Atlético, 17 du côté du Real. 6 tirs cadrés, 13 du côté de l'Atlético. La possession de balle, bah, ils sont devant. Même au niveau des passes, le Real est devant, hein. 443 pour l'Atlético Madrid, 476 pour le Real. Voilà, 20 fautes, 12 fautes. Mais bon, voilà, c'est sur beaucoup de réalisme de la part de l'Atlético Madrid qui a violé le Real Madrid. Donc voilà, donc moi ça m'a quand même choqué, hein, malgré que ce soit un match amical, qui a aucun enjeu, tout ça. T'es le Real Madrid quand même, t'en prends 7 contre ton rival madrilène, devant un stade plein, à New York, tu fais quand même la promotion de ton club. Avec le palmarès qu'ils ont, le Real, franchement, d'en prendre 7 comme ça, c'est comme si nous on avait fait un match amical Paris, et qu'on en prenait 7 contre Marseille, tu vois. C'est pas possible. Ou même, c'est pas possible. Ou même si Marseille, nous, on leur a mis 7 en match amical. T'imagines les Marseillais, même si c'est un match amical, ils en ont rien à foutre, hein. T'en prends 7 contre Paris, c'est la folie. Donc voilà, les potos, bah ouais, c'était juste pour une petite vidéo, pour vous signaler de regarder ce match si vous ne l'avez pas vu. Regardez des résumés sur YouTube, parce que vraiment, c'était la violada. Voilà, la violada de la violada de la casta, del papé, de je sais pas quoi. Donc voilà, les potos, hein. 7 à 1 pour Atlético Madrid. 4 buts de Diego Costa. Un but de Joao Félix, qui est, attention, il faudra surveiller, parce que 120 millions d'euros, 126 millions d'euros, on sait qu'il est attendu. Donc on sait que c'est qu'un match amical, mais il faudra vraiment le suivre cette année en Ligue des Champions et en championnat. Et d'un côté, l'autre, bah Benzema a marqué aussi, donc voilà, mais bon, c'était l'équipe type des deux côtés, hein, presque à 90%. Donc le Real, franchement, n'a pas vraiment d'excuses, mais bon, c'est qu'un match amical, on va quand même se calmer, mais bon, d'en prendre 7 quand même, ça fait mauvais genre. Ça fait mauvais genre. Donc voilà, les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce viol, de ce 7 à 3, catastrophique le jeu du Real. Courtois qui se prend comme de la natation, qui se. Entre... On dirait qu'il s'est pris pour un dauphin, le gars. Il s'est pris pour un dauphin, le mec. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Likez, partagez, commentez. Puis moi, je vous souhaite tous une très bonne nuit. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo, les potos. Regardez le résumé du match, hein, parce que c'était vraiment un gros match exceptionnel. Pour un match amical, vraiment exceptionnel. Salut les potos. Et mes condoléances au Real Madrid. Mais bon, ils ont 13 Ligues des Champions, hein. Nous, on en a 0, malheureusement. Salut les potos. On en aura une un jour. On en aura une. Salut les potos.